Nous avons l'activité de l'agriculture. Nous travaillons, nous cultivons des tomates, des aubergines, des choux, des oignons, même les légumes, les colocasses et tout en sort. L'idée, c'est nourrir largement la communauté. D'accord, oui. Bon, nous travaillons ensemble, l'association, et puis pour vendre, nous prenons deux ou trois femmes uniquement pour l'achat. Et porter les aliments, soit au marché, soit on vient acheter ici dans le champ. Des mamans, je vous ai dit que le problème que nous avons, c'est un problème de l'eau. Je vous ai dit qu'il y a une adduction de l'eau qu'on avait construit pour nous quelque part à Kisibaziba. Oui. C'était arrêté là où on appelle Boulegue. À Boulegue, c'est ici tout près. Oui. Maintenant, suite au manquement de l'eau, les femmes ne parviennent pas à accoucher ici à Boulegue. Moi-même, je vais à Boulegue. Pourquoi ? Nous sommes partenaires maintenant déjà depuis 3 ans. On a eu une grande chance de collaborer parce que vous êtes directeur des zones de santé de Bidjoui et donc vous sillonnez journellement toute l'île Bidjoui qui est quand même très très importante avec une population de plus de 300 000 habitants. On a amélioré les paquets compte tenu de la distance qui séparait la structure à mon. Alors comme là, nous aurons un paquet complémentaire, donc là, on doit avoir maintenant des activités chirurgicales qui ne se passaient pas au centre de santé. Et ce terrain, c'est un terrain de la communauté. Donc la communauté a sollicité ce terrain chez un notable et il a cédé avec des documents à l'appui pour nous permettre d'y ériger les nouveaux centres de santé. D'accord. C'est une très belle générosité.